Bonjour Nemre. Bonjour Sana. Je suis très heureuse ce matin de faire ce court entretien avec une future championne. Et tu l'es déjà pour moi, tu sais. Donc, Nawel, cette année, tu nous fais l'honneur d'être ambassadrice du Coaching Summit 2021. Tu t'es aussi engagée à soutenir cet événement en y consacrant une partie de ton temps pour le mettre en avant auprès du grand public comme étant l'occasion de s'offrir une expérience interactive, transformante et ressourçante. Je t'en remercie au nom de toute l'équipe de Coaching News Magazine qui porte cet événement. Et donc, tu sais, Nawel, que cette initiative est née en pleine pandémie, hein, en pleine crise. Nous traversons aujourd'hui ensemble une crise sanitaire et cet événement vient répondre à notre volonté d'accompagner le plus grand nombre dans l'accueil et l'acceptation des changements futurs et de les aider aussi à les traverser avec plus d'optimisme et de sérénité. Donc, de rester en contact avec ce qui est important pour chacun de nous, de savoir se connecter à l'essentiel et de puiser dans notre trésor intérieur tout ce dont on a besoin pour construire un nouveau monde plus équitable. Un monde qui correspondrait à nos rêves et à nos aspirations. Donc, Nawel Svendla, tu es une jeune passionnée d'alpinisme, hein, Exact. et tu t'es donné le grand défi de gravir les 7 plus hauts sommets du monde. Oui. Tu es une aventurière moderne. Et tu as conquis les cœurs et tu as aussi conquis les 9 plus hauts sommets marocains en seulement 10 jours. Un grand bravo. Merci. C'est juste exceptionnel pour une jeune dame comme toi. Merci beaucoup. Donc, Nawel, je pense que nos chers auditeurs vont être curieux de savoir un peu plus sur toi. Donc, parle-nous un peu de ton parcours et surtout de ton amour pour les hauts sommets. Alors, donc en fait, avant d'être arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire me consacrer pleinement à l'alpinisme et m'ouvrir complètement à cet amour que j'ai pour la nature, il faut savoir que de base, je suis dans la communication. J'ai eu un parcours centré sur la communication de façon globale, que ce soit mes études ou mon travail. Donc, bien évidemment, je n'ai pas laissé tomber mes études, je n'ai pas laissé tomber mon travail. J'ai tout suivi, on va dire, comme schéma normal pour tout étudiant. Par contre, par la suite, après mes études à l'étranger, lorsque je suis rentrée au Maroc, les premières années ont été un peu difficiles. J'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai eu différents postes à responsabilité dont je me suis beaucoup nourrie et dont j'ai beaucoup appris. Mais il y avait vraiment quelque chose qui manquait en moi. Je sentais que je n'étais pas 100% épanouie et je manquais de challenge. Il me manquait des défis dans ma vie. Alors, je suis sportive depuis toujours et à la base, je pratique la course à pied. Depuis l'âge de 11 ans, je fais des courses professionnelles. J'adore courir, ne serait-ce que pour me retrouver avec moi-même et me vider la tête et me déstresser aussi. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai décidé de m'intéresser à autre chose, un autre domaine qui va m'ouvrir, on va dire, d'autres portes et qui va me permettre d'exprimer mes émotions, d'extérioriser mes émotions aussi beaucoup plus facilement. On m'a proposé de tester le Toubkal, qui est le toit du Maroc et d'Afrique du Nord. Et je suis tombée complètement amoureuse de cette montagne déjà, et surtout de ce que ça m'a procuré en termes d'émotions. J'avais un défi en face de moi
J'avais des limites. Je n'étais pas aussi expérimentée qu'aujourd'hui, par exemple. Mais je me suis dépassée et j'ai redécouvert mon corps et j'ai redécouvert Nawel. Et j'ai tout simplement retenu qu'en fait, le contact avec la nature me permettait de m'améliorer et de me connaître encore mieux. Et ça a été juste magnifique. Et du coup, je me suis renseignée par la suite pour voir est-ce qu'il y a des challenges autour de cette activité sportive. Et il y avait le Seven Summits Challenge. Et j'ai décidé de me lancer ce grand défi qui est de conquérir les 7 plus hauts sommets du monde en un temps assez court. Voilà. Ben, écoute, si j'ai bien compris, Nawel, c'est que tu es en train de vivre actuellement une forme de pause dans ta vie. C'est comme une forme de transition que tu es en train d'expérimenter. Et donc, comment as-tu fait pour vivre cette reconversion et envisager ce changement comme une opportunité de progrès et de nouvelles expériences plutôt qu'une source potentielle d'inconfort ou de peur? Ça a été vraiment une décision très, très difficile. Je ne vais pas te le cacher. Premièrement, vis-à-vis de ma famille, mes parents m'ont toujours poussé à aller très loin dans mes études, à me donner toujours à fond dans mon travail, à penser à ma carrière, à être complètement indépendante. Maintenant, le fait d'annoncer à ses parents qu'on va mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle pour se consacrer à son propre épanouissement, c'est un peu difficile pour les parents au départ. Surtout que j'ai pris aussi une autre décision pour leur prouver justement que c'était vraiment quelque chose auquel je tenais et qui m'apportait un bien incroyable, c'est de ne jamais leur demander d'argent. Je vais me démerder toute seule, je vais tout faire pour trouver le financement qu'il faut et me gérer moi-même. Donc, bien évidemment, cette décision a coïncidé avec le confinement. Donc, déjà, tout le monde était en télétravail. Mais par contre, par la suite, j'ai fait quelques missions. Déjà, ça m'a permis un petit peu de garder, on va dire, le pied sur le terrain, plus ou moins. Parce que ça a été un peu difficile pour moi aussi d'arrêter le travail. J'adore travailler. Donc, du coup, j'ai essayé vraiment de me consacrer à la montagne et je voyais que ça prenait de plus en plus de temps et ça demande un entraînement psychologique, physique. C'est pas juste aller en montagne juste pour aller en montagne. Trouver des sponsors, ça a été très difficile, surtout avec la période du Covid. Mais voilà, j'ai fait ce choix. C'était, je sors de ma zone de confort. Certes, ça peut être frustrant, ça peut faire peur, mais je prends ça comme une sorte de défi. Déjà, juste le fait de sortir de cette zone de confort et de se dire, je ne dépends plus de qui que ce soit, je suis face à moi-même et c'est à moi de faire mes preuves, mais pour moi, et voir de quoi je suis capable. Et alhamdoulilah, j'y suis arrivée. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait, que je ne regrette pas, parce que le résultat derrière, le fait d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir poussé mes limites, le résultat est juste incroyable. Et la Nawal d'aujourd'hui, ce n'est pas la Nawal d'hier. Là, c'est une Nawal qui est améliorée dans le bon sens et ce n'est que le début. Donc, le fait de sortir de sa zone de confort, il n'y a que du bon dans ça. Lorsque je t'entends parler, ça me connecte directement au thème du Coaching Summit, c'est se transformer pour transformer. Donc, quand tu parles de la Nawel d'hier et de la Nawel d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vraiment la différence et qu'est-ce qui s'est vraiment transformé en toi? Une plus grande confiance en moi parce que voilà le monde de l'alpinisme est et surtout cette activité-là est une activité individuelle dans le sens où on est centré et concentré que sur soi-même. Donc je dois pouvoir m'en sortir lorsque je suis toute seule. Et pour pouvoir faire ça, il faut croire en soi. Il faut prendre des décisions des fois assez rapidement qui peuvent être dangereuses, mais il faut tenter, il faut éviter d'avoir peur. Et donc voilà, je pense que le changement réel qu'il y a eu, ça m'a permis comment dire, peut-être
avoir déjà un peu plus confiance en moi et savoir prendre des décisions, les bonnes décisions assez rapidement face à des situations données. Donc, c'est comme une gestion de crise. Ça doit se faire assez rapidement et prendre la bonne décision. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir une Nawal qui sait prendre du recul, qui est plus calme, plus terre à terre et qui prend le temps de réfléchir à beaucoup de choses et ne pas réagir rapidement. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un grand changement. Donc, je retiens de ce que tu viens de nous dire, de l'importance de savoir prendre les décisions au bon moment. Et je Complètement. pense que ça demande une certaine présence, une présence à soi et une certaine vigilance pour pouvoir avoir toutes les informations utiles pour une prise de décision adaptée. Hein? Et donc, je voudrais te parler de tes habitudes. Hein? Donc, comme tu le sais, nos habitudes et rituels déterminent nos résultats, aussi bien que nos décisions aussi, ça détermine nos résultats. Et dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, eh ben, cela dépend de comment on décide, mais aussi de quelles sont nos habitudes et rituels. Donc, les gens qui réussissent, n'atteignent pas le sommet comme ça par hasard, hein, et tu es bien placé pour nous en parler. Donc, peux-tu nous dire un peu tes secrets, hein, quelles sont tes habitudes rituelles pour toujours être dans cette forme de motivation extrême et pour garder donc des pensées et une attitude vraiment concentrée sur ton objectif, sur le succès? Honnêtement, ça c'est très simple. C'est très simple. On me pose assez souvent la question avec l'altitude, au moment où tu te sens mal, à quoi tu penses, comment tu fais pour avancer, qu'est-ce qui te motive? C'est très simple, c'est deux choses. C'est ma famille, mes proches, et c'est Dieu. Tout simplement, il m'accompagne jusqu'au sommet parce que j'ai eu vraiment des moments qui étaient très, très difficiles où je voulais descendre. Je voulais descendre. Quand tu te retrouves à 6000 mètres d'altitude, que tu vois que ça va pas. Tu es en train, tu as des hallucinations, tu as des envies de vomir. C'est des choses, ça, ce sont un des effets de l'altitude, comme tu le sais. Je pense à ma famille. Je sais que je prends des risques. Je sais qu'ils sont toujours inquiets quand je suis en montagne, mais je pense à eux et je les entends. J'entends mes parents m'encourager, me dire, allez, Nawal, tu peux y arriver. Vas-y, continue. Va jusqu'au bout, c'est juste à côté. Et quand je lis le Coran dans ma tête. Et voilà, ce sont les deux choses les plus importantes qui me, vraiment, je le sais et je le ressens, qui me font avancer quand ça ne va pas. Donc voilà, ça, c'est des choses normalement, qui sont assez normales, même dans le quotidien. Mais voilà, pour le reste, mes petits secrets, je vais les garder pour l'instant. Tu nous le dévoileras sans faute quand tu seras au sommet de l'Everest. Il y Hein? a Nous plein comptons sur toi, mais de chacun a son expérience et chacun se connecte à son potentiel, à sa manière. Chaque expérience est unique et individuelle. On peut s'inspirer et tu es une personne très inspirante. C'est ce que j'apprécie. J'apprécie aussi ton authenticité et cette parler du cœur, cet élan du cœur avec lequel tu t'adresses à tous tes fans, à toutes les personnes qui te suivent. Et donc, encore une fois, merci. Nous sommes vraiment très, très contents d'avoir à notre côté personne formidable comme toi pour soutenir ce Coaching Summit deuxième édition. Donc nous avons un site, c'est www.coachingsummit.ma, à partir duquel les auditeurs pourront s'inscrire et assister aux 18 interventions qui vont être animées par des coachs de renom, des coachs qualifiés que nous avons vraiment triés et choisis spécialement pour eux.
Et je te laisse le mot de la fin, Nawel. Le slogan, c'est se transformer pour transformer. Je te laisse compléter ce slogan. Transformer quoi? C'est transformer. Il ne Se faut pas lancer pour transformer quoi? transformer sa vie, aller encore plus vers l'essentiel, se connecter vraiment au vrai soi, enlever les craintes, enlever les peurs, et le résultat ne sera qu'aussi éblouissant et incroyable que l'attente qui était présente de base. Super. Merci Nawel. Merci Anna. d'avoir accepté notre interview d'aujourd'hui et je te dis à très vite.